Mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la biochimie du système ABO. Je rappelle que le système ABO n'est pas spécifique aux globules rouges, car il est également présent au niveau des tissus et il joue un rôle important dans le rejet des transplantations rénales, par exemple. Ces antigènes peuvent être retrouvés sur les cellules endothéliales, les cellules épithéliales, etc. Tous les globules rouges sont tapissés par une substance appelée la substance H. Chez les sujets porteurs de l'allèle A, la substance H peut être convertie en substance A, alors que chez les sujets de phénotype B, la substance H est convertie en substance B. Et donc, logiquement, les sujets de phénotype AB convertissent leur substance H en substance A et B. Alors que chez le sujet du groupe O, l'allèle O est un allèle silencieux et donc ne code pour aucune substance. Dans cette situation, la substance H reste une substance H. La substance H est codée par un gène situé sur le chromosome 19. Ce gène est représenté par un couple d'allèles, grand H et petit h. Pratiquement tous les individus sont de génotype grand H ou grand H petit h. Et donc exprime la substance H sur le globule rouge. Sauf une infime partie d'individus sont de génotype petit h et donc n'expriment pas la substance H sur la surface de leur globule rouge. Ces individus sont appelés des individus de phénotype bandé. Et vu qu'ils ne possèdent pas de substance H, ils sont incapables d'exprimer les antigènes A et B à la surface de leur globule rouge. Les antigènes ABO sont localisés sur la partie terminale des chaînes polysaccharidées, schématisées ici par R, qui veut dire le radical saccharidé. Ces chaînes polysaccharidées sont reliés soit à des protéines ou des lipides membranaires, donnant naissance à des glycoprotéines ou à des glycolipides. La partie terminale de cette chaîne polysaccharidique est composée par un N-acétylgalactosamine relié à une D-galactose. Chez les individus de génotype grand H ou grand H petit h, l'allèle grand H code pour une enzyme appelée la fucosyltransférase 1. Et cette enzyme a la capacité de fixer un sucre appelé le fucose sur le D-galactose, transformant ainsi le polysaccharide en une substance H. L'allèle A code pour une enzyme appelée la N-acétylgalactosamine transférase. Et cette enzyme a la capacité de fixer une N-acétylgalactosamine sur la substance H, donnant naissance à la substance A. L'allèle D code pour une D-galactosyltransférase. Et cette D-galactosyltransférase a la capacité de fixer un D-galactose sur la substance H. Et donc, la substance H est convertie en substance B. Maintenant, l'allèle O est un allèle silencieux. Il ne code pour aucune enzyme. Et donc, la substance H reste une substance H. Les substances A, B et H peuvent être retrouvées dans de nombreuses sécrétions, telles que la salive, les urines, les larmes, etc. Sauf le liquide céphalorachidien qui est totalement dénué de substances ABH. Les sujets qui sécrètent leurs substances ABH sont appelés les individus sécréteurs. Ils sont de génotype grand SE ou grand SE petit SE et constituent environ 80% des individus. Alors que les sujets qui ne sécrètent pas leurs substances ABH sont de génotype petit SE petit SE. Il est bon à noter que dans les sécrétions, les substances ABH sont majoritairement des glycoprotéines.